direction ce soir à Vannes avec les résultats? Alors sur Vannes, ils sont très élevés, ils seraient plus élevés ailleurs. Notre réaction, en fait, c'est de dire que la Bretagne a du mal à s'exprimer. Ça a été très difficile d'avoir une tribune durant ces élections. Bon, on a aussi des moyens qui sont inférieurs aussi aux autres. Mais c'est un bon début. Pour la première fois, on a parlé d'indépendance. Et donc nos consignes de vote pour le second tour, en fait, c'est la liberté à chacun. C'est-à-dire qu'on n'est pas maître des voix, on n'est pas maître des esprits, donc chacun est libre de voter qui le veut. Personnellement, pour moi, aucune personne en lice actuellement défendra les intérêts de la Bretagne. Donc personnellement, je ne voterai pas. Je voterai blanc. Une petite déception quand même sur votre ville ou pas? Non, parce que être présent, c'est déjà une victoire. C'est-à-dire que faire une liste pour la souveraineté de la Bretagne, c'est une victoire. Ce sont des idées qui sont en vogue partout. Les Bretons n'ont pas encore compris, mais je pense que ça viendra, même si la route est très longue. Merci beaucoup.